écoutez, petite sortie vite fait, on est dimanche, donc je suis avec ma chérie. Petit coup de cuillère sur le bord de la future rivière, enfin sur la nouvelle rivière que je pratique, le haut pif comme ça. Premier poisson de l'année 2024, sur cette nouvelle rivière d'ailleurs, donc je vois qu'elle est égale à la réputation qu'elle a. Donc pour cela, j'étais à la cuillère. Donc, je vous présente le premier poisson 2024, regardez la première touche, une magnifique perche commune. Donc avec ma cuillère, un MEPS numéro 2, donc voilà, magnifique poisson. Donc ça fait vraiment plaisir, je vais refaire quelques petits coups de cuillère là sur cette rivière et puis on verra bien, mais ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, très beau poisson, voilà, le petit bisou qui va bien. Voilà, et là tu peux ensuite pour arrêter, c'est comme ça. Quand je veux, donc. Alors on se retrouve actuellement donc sur une scène assez cocasse, c'est-à-dire que bon, je suis sur les bords de la rivière avec ma chérie qui filme. Nous avons tout simplement, vous avez vu précédemment, un silure qui est sur le bord posé. Donc là je vais utiliser un one up Sawamura en 4 pouces que je vais donc agiter comme vous le voyez de bas en haut sur la bouche du silure. Ce silure fait environ 2 mètres à 2 mètres 10 selon mes estimations. Donc je ne sais pas ce que ce silure faisait sur le bord, plusieurs hypothèses sont possibles, c'est-à-dire que ce poisson a peut-être été pris dans la matinée et aurait été donc relâché, déjà ce qui peut être un très bon point, merci à tous ceux qui pêchent le silure de les relâcher car ils ne sont absolument pas nuisibles. Je ne le répéterai jamais assez, mais s'il y a un être nuisible sur Terre, c'est uniquement l'être humain qui détruit tout. Le silure a toute sa place dans nos rivières comme l'aspe, comme le sandre, je rappelle le sandre et l'aspe qui sont issus du Danube comme le silure, donc ce sont des poissons cousins. Donc voilà, donc ce silure fait environ 2 mètres 10. Alors, ma première analyse, c'est peut-être qu'il a été pris tout simplement, qu'il est dormant, car on peut avoir des silures qui sont sur les bordures comme ça, posées. Ce silure ne présente pas de cicatrices particulières, ses nageoires sont intactes, la queue, la tête, tout est en bon ordre. Donc là, voilà, je vais tapoter, voir si je déclenche une attaque dite réflexe. On voit qu'il ne se passe strictement rien. Donc à un moment, je vais me dire, ah, ce silure, j'ai pas envie de le laisser sur le bord. Donc je vais prendre la caméra et je vais vous le montrer en image subaquatique. Donc regardez, hop, voilà. Donc vous voyez qu'il a les nageoires légèrement rouges, mais ça, c'est pas un problème. Vous voyez sa mâchoire, je n'ai pas vu de traces d'hameçon. Donc je vous laisse profiter de ces images. Voilà, donc vous avez pu observer qu'il est franchement magnifique et pas du tout abîmé de la mâchoire. Alors après, c'est pas parce qu'il n'a pas des marques d'hameçon qu'il n'a pas été pris plus en intérieur de gueule, hein, parce que je ne vois pas l'intérieur. Donc là, bon, je m'obstine, puis après je me dis que j'ai pas envie que ce silure reste sur le bord si jamais, on sait jamais, vous savez, un braconnier, quelqu'un qui supporte pas le silure lui mette un coup. Donc je dis, bah, je vais voir s'il est vivant, donc je vais le manœuvrer. Donc vous voyez qu'il est, juste un peu endormi. Vous voyez, il est magnifique, hein, il est tout à fait propre, il est pas abîmé. Bon, je retente encore une fois parce que je suis têtu, mais là, voilà, je dis stop. Je dis à ma nana, ça suffit, j'arrête de l'embêter. Mais je me dis, j'ai envie de le remettre dans la rivière et qu'il ne soit pas exposé. Comme je dis, il suffit que quelqu'un n'aime pas le silure, lui foute un coup de pelle, quoi que ce soit, on sait que ça arrive souvent. Donc voilà, je vais tenter de le manœuvrer. Et je vous cache pas que voilà, c'est vraiment magnifique. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un silure comme ça, donc il fait environ voilà, hein, 2m10, 2m15 même, et que c'est un beau bébé. En plus, ma chérie, elle n'avait pas l'habitude de voir des silures d'aussi près comme ça, donc au moins, j'aurais fait mon câlin avec un silure d'ouverture, donc je le compte pas comme pris, évidemment, parce que je l'ai attrapé à la main. Quelque part, ça compte comme attrapé, mais il n'est pas pêché. Hein. Et au final, vous allez voir, je vais le repousser dans la rivière, et il va repartir très tranquillement. Donc bah, si jamais ce silure a été pris par des pêcheurs, ou quelqu'un qui verrait cette vidéo, bah écoutez, messieurs, je vous félicite pour votre silure, et merci de l'avoir relâché. Donc voilà, c'était vraiment la situation assez cocasse de ce week-end d'ouverture. Aspe ou perche, hein, c'est l'un ou l'autre. Oh, oh putain, t'as vu l'attaque? T'as vu l'attaque? Il m'a loupé. Non, je t'ai Il m'a loupé. Il m'a loupé. Mais non, il m'a mordu. Oh, il m'a loupé. T'as pas vu? Non, j'étais en train de regarder le cadrage. Ah, je l'ai loupé, bah c'est mort.
Il m'a mordu. Il m'a mordu direct. Oh, c'était un aspe. Il m'a mordu. Oh putain, je l'ai pas ferré. Oh putain de merde. Tu verras, t'as eu le gros remous, il m'a mis la grosse cartouche dans la canne. Oh, je suis deg. Il s'est pas piqué. Oh, puis je fais de la merde. Ah oh, putain, j'avais le poisson en direct. Putain, celui-là, c'était bon. Là, tu vois, t'as vu une chasse d'aspe en direct. Ah, oh, je fais de la merde. Tu vois, je fais de la merde. Là, je fais de la merde. Tu vois, il attaque les petits... Ouais. Il a attaqué les petits en bordure. Et il m'a mordu tout de suite. Par contre, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Attends, va-t'en. Bon, donc je vous présente. Attends, ouais, pardon. Non, c'est pas grave. Bon, eh bien, je vous présente l'aquarium actualisé avec mes différents vifs. Donc, vous pouvez voir, donc, j'ai 4 chevennes avec un gardon. Et vous avez la mastaperche que j'ai installée dans l'aquarium. Alors, je vous explique. Je suis avant tout passionné depuis quelques temps d'aquariophilie. Contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai que j'utilise mes aquariums pour les vifs, mais j'aime énormément les poissons sauvages de Loire, du Cher, etc. Donc, pour vous dire clairement les choses, cette perche, je l'ai gardé à titre conservatoire décoratif. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'adore ça, ma famille aussi. Au niveau décoration, c'est vrai que ce poisson, je vais le conserver. Il ne va pas être tué. Il ne va pas être utilisé en vif. Donc, c'est une mastaperche. Je vais la nourrir de vers de terre, tout simplement. Je vais voir si je peux la garder quelques temps. Je vais la garder en bonne santé. Parce que moi, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, l'aquarium de Touraine, donc avec ma chérie. Et c'est quelque chose que j'adore, qui m'émerveille, d'avoir mon aquarium comme ça le soir avec tout d'allumé dans mon décor. Bon là, je n'ai pas le deuxième d'allumé, mais voilà, mon décor kayak, pêche et aquarium, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je garde cette perche parce que déjà j'en ai le droit, mais elle ne sera ni mangée ni employée comme vif. Je l'ai surnommée Jacqueline, donc elle s'appellera Jacqueline parce qu'en fait, là où je l'ai pêché, il y a un petit restaurant qui s'appelle, un petit café restaurant qui s'appelle Jacqueline. Donc voilà, c'est une petite dédicace. Donc écoutez, je vous la montre. Elle doit faire 38 à 40 cm, elle est quand même très costaud. Donc c'est vraiment une mastaperche. Donc voilà, c'est mon plaisir personnel au niveau de l'aquariophilie. Donc je sais qu'il y a des âmes sensibles, ceci, cela. De toute façon, légalement, j'ai le droit de l'utiliser comme vif, sachez-le. La perche est autorisée comme vif et j'ai le droit de la manger. Je ne la mangerai pas, je ne l'utiliserai pas comme vif. Mais à titre décoratif conservatoire, parce que je trouve qu'elle est tellement magnifique. Et je suis passionné par ces poissons-là, vous voyez, dans son élément. L'aquarium est super bien entretenu, en plus j'y fais vachement gaffe, elle a la collerette dépliée. Donc voilà, elle est dans son petit environnement et je vous donnerai régulièrement, si vous voulez, des nouvelles de Jacqueline. Donc si toi aussi tu adhères à Jacqueline et que tu la trouves sympa, bah, hashtag Jacqueline en commentaire. Hein. Voilà, regardez, je vous laisse avec ces images. Et je vous dis bah, à une prochaine, merci à tous pour avoir regardé la vidéo.